on. Et la caméra fonctionne. Et ça charge mon iPad, c'est nickel. Nickel. Passe là par en dessous. Et si tu l'as fait passer par en dessous, ouais. Les alarmes sont testées. Alors là, au niveau du fuel, refuel, c'est pas la peine. On a bouffé 14 gallons, tu vois, donc pour venir. C'est à peu près ça, tu vois, 1 heure avec 14 gallons. Donc il fait dans les 40. Il nous reste 54. Alors. Donc 54 et 14, 68, c'est vachement, c'est bon. Pascal, tiens Pascal, il faudrait qu'il prenne celle-là. Ah, oui, d'accord. Fuel flow. Alors EDM, page fuel flow, autonomie, c'est bon, sélecteur d'essence, le moins plein, c'est à droite. Bah, bon, pareil. Hein. La clé. Ah merde. Ouais, oui, il faut que je la sorte. Ah putain. Là, il n'y a pas de réglage sur la malle et sur la femelle, je suis au taquet. La clé en place, la statique secours, off, les disjoncteurs, tout est en place, l'anticolle, on. Il y a une subtilité, je comprends. Alors, moteur froid, manette des gaz, plein gaz, PPP, plein riche, pompe électrique, on, 7 gallons. Voilà, c'est bon, on a 7 gallons. Manette des gaz, 1 cm, plein pauvre. Et c'est parti. Personne devant, pied sur les freins. Il y a un problème de contact. Si je l'enfonce, ça marche pas. Si je le laisse comme ça, ça marche. Ok, je t'entends bien. T'as la carte VAC là, d'ici? La carte VAC d'ici, ouais. Elle est là, ouais. On regarde l'altitude du terrain. On a 580 pieds, donc c'est bon. Et 580, donc 1014, c'est bon.
Ça n'a pas bougé. Alors, les feux de nave, l'altimètre de secours, donc c'est bon aussi. Les volets sont bien rentrés. Le pilote automatique, on va le tester. Alors, leading sur la 29, c'est bon. Les ceintures, vous êtes tous attachés? Oui. Ok, et eh ben. Tu montreras les coms, comment elles fonctionnent sur celui-ci quand même. Les quoi? Les coms. Parce que c'est pas exactement comme sur le 650. Les coms, c'est pareil. D'accord. Hein. Non, on appuie dessus. Hein, voilà, c'est pareil que sur le. Les naves, ça, elles c'est sont les là. Naves, voilà, et le transpondeur est là. Ouais, non, chercher le bouton en fait aussi, d'accord. Il n'y a pas de bouton. Non, non, non. Hein. Là, tout fonctionne à l'interface. Voilà, okay. tout à l'interface. Donc voilà, on est. 123. On est paré au décollage. On est paré au roulage. Et c'est 126.1, t'avais dit Paris Info. 126.10, ouais. 126.10. Voilà. Winter. Voilà. Tu confirmes, c'est bon. Donc là, 123.5, une fois après décollage, on appelle Paris Info. D'accord. Et là, on est prêt à rouler. Ok, ok. Merci. Quand tu veux. Alors, attends, je vais lancer la cam aussi. Ouais, je t'entends bien. Et ouais, voilà. Tu nous donnes... Allez, on se dépêche. Tu nous donnes ton impression. Allez. Ok. Donc on est à Cône. Je préfère que ce soit on toi est à qui Cône, teste ouais. que moi. Alors l'immatriculation complète, c'est quoi? Golf Hotel. Alors j'ai bien compris. Au Golf Hotel, pas deux fois. Okay. Non, j'ai déjà volé là aussi. Mais... Quand tu veux. Cône Auto Info de Fox Golf Hotel, papa, bonjour. Mais bon. Cône, le Fox, papa deux fois, PA 32, 5 personnes à bord. Au roulage pour la piste 29 dur. Tiens Régis. Ouais. Allez, on va mettre un peu la de caméra partie, s'il te plaît. C'est bon. Bien. Merci. Allez, non, il n'y a pas de vent, ça quelqu'un c'est dans la guitoune à côté. Ouais, ouais. Oui. Et normalement, il y avait ma carte OACI qui était pas loin. Merci. Le cap de la piste. Ouais, j'avais compris votre manège. Voilà. Vous saviez. Voilà. Vous n'avez rien dit, vous saviez. Attends, il demande pas ses maîtresses à droite, à gauche, ouais. Passe-moi celle-ci. Si. Passe-moi le téléphone. Je suis prêt. Attends, on va les écouter. On va les zapper les derrière là, parce que non, ils vont se parler entre eux, parce que là, ils arrêtent pas de parler. Ils vont pouvoir se parler entre eux. Ouais. Et nous, on se parle entre nous. C'est ça. On les remettra avec nous quand ils seront sages. On les remettra quand on aura voilà. décollé. Ouais. Alors c'est 293. Le cap de la piste. Comme ça, ils se parlent entre eux et ils nous foutent voilà. la paix. Bah oui. Hein. C'est vrai que c'est bien ces trucs-là. Hein. Eh bah oui. Voilà, point d'attente est là. On va faire les essais moteurs. Voilà. Alors, essais moteurs. Dans l'axe, le frein de parc est serré. L'essence sur le plus plein maintenant, qui est à gauche. Donc on a mis 2 minutes, donc on mettra 2 minutes de plus pour le gauche. Frein de parc serré, l'essence plus plein, la pression d'huile, la tempête d'huile. La tempête cylindre, on a 200 au plus. Mélange plein riche, PPP. Régime moteur 2000. Alors on fait une régulation. 500 tours, c'est bon. Les magnétos. Charge alternateur, c'est vérifié. L'alternateur, on perd 100 tours. Ouais, c'est bon. Le début carburant, c'est bon. Ralenti 700 tours. Ouais, c'est bon. Et on remet 1200. Les alarmes sont vérifiées. Avant décollage, le frein de parc est serré. Contact magnéto, on est bien sur boss. L'hélice, on est en PPP. Là, on est plein riche. Alternateur fermé. Donc là, on est bien 580. Vérifié, comparé. Horizon de secours, ben, il est pas mal. Il est légèrement cabré, c'est normal.
La fenêtre, on va la fermer. Le trim de profondeur est bien au neutre. Attention les commandes. Attention à toi. Attention les genoux. Voilà. Hop. C'est bon, la pompe électrique est sur on. Le pitot, pas la peine. Les volets, je vais mettre 25. Hein, donc à la rentrée du train, on aura l'alarme. Oui, hein, ce que tu disais tout à l'heure. De config. On n'en tiendra pas compte. Hein. D'accord. Les passagers, ils sont sages derrière. Qu'est-ce qu'ils veulent ? Terminé. Oui ? Voilà, allez-y. On t'écoute. On ne parle plus. D'accord. Ouais, on vous avait zappé un peu parce que bon. Ouais, ouais, on a. Hein ? Bien sûr. Alors, ceinture et harnais, vous êtes attaché derrière ? Oui. Oui. Attaché devant. D'accord. La pression d'huile, elle est dans le vert. La tempête d'huile, elle est bien dans le vert. Le briefing décollage. Donc, on va décoller en 29, virage par la droite. On montera une première altitude de 1500 pieds, puis on verra après ce qu'on ferait, hein, si on peut monter. Ils sont pas bien en haut, là. Hein, finale et piste, ça a l'air dégagé. Donc la radio, tu peux t'annoncer. Code Fox, papa deux fois, nous allons pénétrer sur la 29 pour la remontée. Allez, c'est parti. Bon, j'ai peut-être lancé un petit peu le caméscope aussi. Comme tu veux. Il n'y a personne sur la piste, il n'y a pas de finale. Et non. Parfait. Personne à droite non plus. D'accord. Alors, on va décoller en 29 avec une rotation à 77 nœuds. 77 nœuds. Ouais. 75. La rotation est à 72 normalement, mais on va mettre 75. 75 la rotation. Oui, on va mettre 75. On va moyenner entre les deux. Moi, je mettrais ce que tu as dit au début là. 77. Ouais. C'est 75 la rotation sur cet avion. Oui. Et là, comme t'as, non, c'est très bien ce que t'avais annoncé en premier. Oui. Mais on va mettre la puissance sur frein quand même parce qu'on est. Tant qu'à faire. Ouais, pas tant qu'à faire. Donc voilà le hangar de réparation. Voilà, tu peux t'annoncer pareil au décollage. Code Fox, papa deux fois pour au décollage. C'est parti. Y a pas de vent. Non. Le badin est actif, la puissance. Nœuds. Ah, c'est impressionnant parce qu'on le voit le bord de piste. Hein. 77, allez, c'est parti. Le vario est pas positif, est positif maintenant, le train sur rentrée. Waouh! Donc ça, c'est l'alarme dont tu as parlé. Oh, oui, c'est l'alarme de... On va faire rentrer le train et ensuite on mettra un cran de volet. Voilà. Voilà, le train est rentré. On refocus par vos travaux en vue des installations pour l'intégration, on va mettre voilà, on va la finale blanche. On va virer à droite. Donc on est au-dessus de la Loire. Voilà, on est au-dessus de la Loire et on va aller directement rechercher notre route en montée vers 1500 pieds. Voilà, moi je viens de fermer le truc là qui me souffle dans les pieds. Ah ouais. Allez, 300 pieds, les volets rentrent. Ouais, la météo, ça a l'air pas trop mal. Ouais, on dirait que ça se dégage là-bas. Ouais, ouais. Bon, on va aller bouffer au Buffalo ? Bah ouais. Ouais, on va le survoler. Là. Ouais, j'ai encore un petit creux là. Ah bon, d'accord. Bien étudié la trouée là-bas quand même. Hein. Ah, tu vois. Donc on est juste en dessous des nuages. Ouais, là. On va rester à 1500 dans un premier temps. Ah, c'est beau. Ouais. Et on continue la montée. C'est clair que ce matin quand même. 200 pieds. Donc là c'est Cône. Voilà, c'est la ville de Cône. Voilà, le enclencher de PA. Heading. Halt. Heading.
Ping, voilà, c'est bon. Et voilà, 1500. Allez, 1500, on reste comme ça. Et 24, 24. Allez, tu peux leur dire au revoir. Yes. Code de Fox, papa deux fois, nous quittons votre secteur. Au revoir, bonne fin de journée. Allez, 24. Regarde, on va passer en plein dedans, là. Très bien. Je suis en train de me dire que j'ai raté un truc quand même. Quoi donc? Bah, je leur ai pas dit où on allait. Ouais, c'est pas tu grave. Tu me diras, il y a personne, mais bon. C'est pas grave. Oh, c'est joli. Ah, c'est sympa. Bon, rêve, voilà. Très bravo, longue finale, piste 06. Voilà, là c'est bon, on passe juste limite. C'est ouais. Parfait. Regarde, il prend la route. C'est très bien. Allez. Comme un grand tout seul, dis donc. Voilà, checklist après décollage. Les volets sont rentrés, la pompe off, la PA, donc on est à 24, très bien, le plein petit pas, la vitesse, et on met 18. Ah, il trace, hein. Ah, c'est impressionnant quand même, hein. Tout d'un coup, tu vois vraiment mais plus rien du tout, quoi. Tu vois les éoliennes, là, Daniel? Où ça? À ouais, droite, ouais, à droite. Ouais, c'est bon, ça passe. Ouais. C'est juste, hein, tu vois. Ouais, ça passe. Elles sont hautes, les garces. Ouais, elles sont hautes, mais bon. Allez, là, on va commencer à monter. On va monter à 2000, 2005, même si on peut. Tu vois, un peu, on est presque à l'altitude. J'ai pas mal. Voilà. Avec Paris Info. Voilà. Je leur dis qu'on va faire... qu'on est ben, on va à 3, alors. On va sur Nanop. Nanop. D'accord, on leur annonce. Ah oui, d'accord, voilà. On leur annonce carrément. Et on montait vers, donc 2000, et on montait vers 2500. D'accord. Paris Info. Ouais, ouais. Paris Info de Fox Golf Hotel, papa deux fois, bonjour. Fox Golf Hotel, papa deux fois, Paris Info, bonjour. Le Fox Golf Hotel, papa deux fois, un PA32, 5 personnes à bord. Nous venons de décoller de Cône. En direction de Nanop, actuellement 1800 pieds en montée pour 2500. Reçu, vous pouvez juste me redonner votre destination? À Logne. Au final, on passera à Logne, on va donc aux abords de 3 et au final Logne. 3 et Logne. Reçu 70-11, s'il vous plaît. 70-11 au transpondeur. Ouais. Ouais, on passe au-dessus, on est très bien. Voilà, nickel. Ok. Ouais, maintenant c'est bon. Là tu vois Gérard, je vais le mettre en GPSS. Oui. Hein. Voilà. Vas-y. Ah, il y est. Donc tu vois, il prend bien la nave, il bouge pas. Ouais. Hein. Ah, c'est bien qu'il fonctionne. Ouais, ouais. Les LED, on les voit mieux sur le PA. Hein. Ouais, un peu mieux, ouais. Il les a changés. Un peu mieux, ouais. Eh, hey, mine de rien, ça fait une petite couche intermédiaire, là, c'est... Ouais, c'est sympa. Ouais. C'est les barbules, ouais. Pascal. C'est des stratus d'évaporation. 200 pieds. Donc on a 18 minutes. On remettra 3 minutes, donc on mettra 3 minutes de plus pour le réservoir, hein, parce qu'on est resté sur le droit pendant le roulage. Alt. Voilà. On va le laisser accélérer. Alors 24-24 et on va mettre 18. Et ils sont tous sages comme des images, ah, derrière. Purée. Voilà. Ça change de tout à l'heure, hein, vous étiez infernaux là. Ah, on ouais. A été obligé de les couper là. Ah ouais. Je parle même pas de Régis alors lui. Une fois qu'il est parti, il est lancé. Croisière, donc PA Régis 2004. Bon alors, une ici, 18. Une là et une là. J'en ai encore une derrière en réserve. T'es aussi copilote, je te signale. Hein. Je sais. Bien. Ouais, on va se juste se morfler. C'est ça. Bien de lui rappeler de temps on en temps. On va se morfler un petit peu là, juste limite. D'accord. Mais on reste là, hein. On a la vue ouais. Du sol, on est bien. Ok. De toute façon, on est avec Paris. De toute façon, là-bas à droite. Ouais, là-bas c'est clair. Si on veut, on dégage sur la droite ouais, là-bas. Ouais, mais non, on va passer dedans. Il est pas épais, hein. Puis c'est juste limite. D'accord. Donc c'est pour la caméra quoi, c'est... C'est pour la caméra. Ah bah alors, vas-y, c'est pour la caméra alors. C'est sympa. Alors, me vérifier, c'est bon. Voilà, regarde. Donc là, c'est pour l'entraînement VSV. Voilà. Eh bah oui, il faut que je fasse du VSV, donc tu vois. Regarde, c'est pas beau ça. Regarde.
Donc on a des pertes de repères complets là, ouais. Ah bah là, ouais. Ah, oui. Ah ouais, total, effectivement, ouais. Ah c'est joli, disons. C'est joli, hein. C'est impressionnant quand même, hein. Ah bah ouais. C'est vrai que tout d'un coup là, ouais. Tu sais plus du tout. Ouais, regarde si c'est clair là-bas. Ouais. Et on va rester comme ça, hein. Ah ouais, ouais. Allez, je vais prendre ma tablette. Et on va suivre. Et on va suivre notre nav, hein. La vue est superbe comme ça. Ouais. C'est joli là. Bon, ouais. Alors. Bon ben je vais arrêter le caméscope, hein. Ah bah écoute. Voilà. Nanop, tiens, Régis, 25. Et normalement il y avait une règle aussi à moi là. 51 minutes l'arrivée à Logne. 51 minutes l'arrivée à Logne. 51 minutes à Logne. Ouais, une heure quoi. Merci. Allez, je coupe les phares, on en a plus besoin. Tout le monde est sage derrière, regarde le beau temps qu'il y a derrière là. Donc là en fait par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure sur la TEMSI, on va vraiment sur de la ligne festonnée là. Voilà, c'est ça. Et le vent, on a 9. Et on voyait qu'on avait du on a 9 nœuds de travers là. Ah, voilà. On a quand même 154 nœuds hein, de vitesse sol. 154 nœuds de sol. Ah ouais, oui, 153. D'accord, ouais, un petit 4 nœuds et un 8 de travers. Voilà. Un petit peu. Ah ouais, on le voit juste hein, il est légèrement Ouais, on le voit ici, papa, tu vois. Deux fois par info. Non, on le voit ici. Papa deux fois les gars. Ah, papa deux fois. Papa deux fois, j'écoute. Oui, papa deux fois, j'ai contact radar. Mais en fait, vous êtes dans les zones de Seine Info. Ah bon, vous pouvez appeler Seine Info 120-325. Ok, nous appelons Seine Info 120-325. Au revoir, bonne journée. 120-325. Alors ici, voilà, 120-325. Et tu fais pas enter, tu fais direct transfert. Voilà, comme ça, tu l'as tout de suite. Voilà. Voilà, tu peux l'appeler. Donc Seine Information. Voilà. Je l'entends pas bien. Attends, je vous montre le volume un peu parce que je l'entends pas bien là. Ah c'est ici. Hein. Voilà. Voilà. Ok. Voilà. Vas-y. Seine Information de Fox Golf Hotel. Papa deux fois, bonjour. Monsieur Abdelsen, je vous vois très mal. Ah bah... Bon, Seine Information, le Fox Golf Hotel. Papa deux fois, un PA32. 5 personnes à bord au départ de Cône à destination de Troyes. Et puis Lognan. Actuellement 2500 pieds. Transpondant 70-11. Ouais. Bah normalement on est chez eux hein, là. Ouais mais c'est peut-être plus sur 118-05. Ah je sais pas. Ouais, non j'ai... non j'ai un 120-325 là. Ouais ouais. Ouais moi aussi. Non mais je te dis en réception c'est peut-être plus. Attends, je vais essayer de l'appeler. Seine Info, Fox Papa deux fois. Fox Papa deux fois, Seine Info, j'écoute. Oui, bonjour madame, Fox Golf Hotel Papa deux fois PA32 avec 5 personnes à bord. En provenance de Côte-sur-Loire, destination Logne. On est actuellement 2500 pieds QNH. On fait route sur Nanop. Fox Golf Hotel Papa deux fois, identifié radar, transpondeur 3, 4, 5 unités. Alors 3, 4, 5 unités au transpondeur, Fox Papa deux fois, merci. Voilà. 3, 4, 5 unités. Voilà. Toi tu leur dis on fait route sur Nanop, ils te situent tout de suite avec les points. D'accord. IFR. Ouais. Tu vois. Alors Navoine, ouais, Navoine, je vais y mettre 112-9. Ouais. Ben, ce matin on a volé contre des trucs comme ça. On a tourné. Par contre il nous a libéré quand même assez vite là, t'en vois. Bah non tu vois là. Parce la qu'on est sur Côte. Ouais, ouais mais chez eux c'est ici tu vois. Ça commence ouais. Ici. Par et contre là, derrière c'est super libéré. Hein. Ouais, ben donc là. Ça commence ici tu vois. Ouais c'était juste limite quoi. Ah ouais effectivement. Ouais ouais ouais. Ouais, 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 tu ouais, vois, ouais. Là on est chez eux, là on est 120-325, c'est bien ça. D'accord. Ah, regarde, il y a un grain là à gauche. Mais là, là-bas, on va dans le bon doux. Donc là, on va passer quasiment au-dessus d'Auxerre. Enfin, bord sud d'Auxerre. Ouais, ouais, on va passer sur la ville, quoi. Enfin, on va tangenter la ville. C'est ça. Bon, j'ai vu que Nanop, il était juste à côté du lac d'Orient. Ouais, c'est pour ça que je l'ai pris. Voilà. Et en fin de compte, on va passer à côté d'Auxerre, à côté de Saint-Flo.
réponse. Voilà, on fait Nanop, soldat, et après on... D'accord. On rentre chez nous. Ok. Ah, il fait beau là. Tiens, on en a une grande là-bas. Là, on pourrait monter 3000, on va monter 3000, dis-lui qu'on monte à 3000. Seine, le Fox Golf Hotel Papa deux fois, nous montons à 3000. Là. Roger, Papa deux fois. Roger, elle a dit la dame. Roger. Ouais, c'est la première fois que j'entends autant, c'est celle de ce matin, ouais. C'est la même que ce matin, ouais. C'est la première fois que j'entends autant de Roger dans le vol, moi. Elle nous a dit Roger aussi ce matin. Non, ouais, comme ça c'est mieux. Ouais, 10 minutes. Donc on mettra 13 minutes, hein. Enfin on mettra 3 minutes de plus pour changer le réservoir. Donc ça, 125.025. Ouais, okay. Ça, oui, ça c'est la ouais, tu le gardes sur, que l'on mettra là. Ouais. Hein. Et là sur le deuxième bord, on a Nevers. Pff, on va mettre Belin. Voilà. Attends. Bon, alors voilà. Attends, lui, il est déjà fini. Voilà, on monte. Ouais, tu vois, là, il fait bien beau, là. D'accord, donc là, on est sous la couche qu'on voyait tout à l'heure. Ah, bah ouais. Ouais, ouais. Et puis là-bas, ça, ouais, 200 ça tombe pieds. Un peu. Et là, c'est déjà Auxerre qu'on voit, là. Ouais, c'est Auxerre. Ah, bah, ouais. Et à 150 nœuds, ça défile, hein. Tu m'étonnes. Par contre, on va à plein pot dessus, là. Ouais, mais je vais l'éviter. Je vais la repasser. D'accord. En arrière. Tu m'entends? Ouais. Par rapport à la 3DA, on n'est pas loin, hein, quand tu regardes le paysage. Non, non, sur ce type de paysage, oui. La photo IGN avec de l'autogène. Par contre, c'est vrai que ça fuse, là. Waouh. Ah bah oui. Hein. Champ d'éolienne, ligne de chemin de fer. Voilà. Petit patelin à gauche. Oh, on est bien, là. On survole pas la ville. Hein. Ah non, pas oh, ça. Non, on est bien, là. Seine, bonjour. Alpha Whisky, Alpha X-Ray. Golf Alpha Whisky, Alpha X-Ray. Seine Information, bonjour. Bonjour madame, comme X-Ray aussi à la panne de l'auto Lima Fox. Just entering your zone at Epernay, 4000 feet on course to Troyes. Two persons on board with a Cessna 150 VFR. Alors on va éviter la zone, on reviendra un peu à droite. Radar identified, squawk 3452, say again departure. 3452 is going down. And point of departure was Echo Bravo, Sierra Tango. On va pas survoler trop la ville, mais il va revenir chercher sa route. Donc je le reprends légèrement à la main, tu vois, je chinte un peu le PA. Bah oui. Ça. Pour éviter la ville. Tiens, regarde, à gauche. Régis, ah bah ouais. Tout le monde. Regarde, ouais. On a Auxerre, là, l'aérodrome. 4 pas de moteur, là, on est bon. Ah oui. Ouais. Ouais. Ah, on est... 4 pas de moteur, là, c'est nickel. On voit les installations. Ouais. Ah ouais. Quoi? Alors, on va le laisser en leading. Ah bah je vais en leading. Voilà. On va le tenir comme ça. Et après on reviendra sur notre route. Ouais, on reste tout droit comme ça, c'est bon. Il y a une zone industrielle là, ça gêne pas. Ouais, celle qui est juste là là. Ouais, là-bas, tu vois. Et là on n'est pas sur la ville là. Ah non non, c'est bon. Bon bah c'est bon. De toute façon c'est 3300 pieds, hein. C'est pas une ville à 5000 pieds, ça. Donc on est bien. Si, 5000. C'est 5000? Ouais, 5000. Ouais, mais là où on est, c'est 3003, là, sur le petit village, là. Ouais. Ouais, donc c'est On a une belle ligne de Cunimbe, là. Où ça? Ouais. Non, mais nous, derrière. Ah, derrière? Ouais. Ah, on va plus vite qu'eux. Ah ouais, oui, tout à fait. Et sur la gauche, c'est impressionnant. Ah bah, sur la gauche, ouais, il y a un grain, là-bas, ouais. Ouais. Marrant, parce qu'à droite, c'est tout beau. Bah ouais. T'en as un autre petit là-bas, tu vois. Où ça? Devant là. Ouais, ouais, devant. Sur ta T11R là. Ouais. Ah là-bas, ouais. Ouais, ouais, mais c'est pas tout méchant. Petit, tout petit. Ouais, tu vois, à la limite, on peut passer entre les deux. Oui. Là. Ah, c'est excellent de voir ça là, Auxerre là. Ah ouais. Ah ouais. Là, on voit bien le terrain là. Ouais. Regarde, pas de moteur là. On y va direct. Toi qui es un vieux pilote, tu sais le triangle. Tu vois, regarde. Mon potentiel de planer permet d'aller dedans. D'accord.
tu vois. Ah ok, en plus de ça il indique ça aussi. Ouais, wow. Tu vois le petit cercle bleu, c'est le potentiel de planer. D'accord. Le triangle infernal pour nous c'est... Un alpha, Angis, Angis, Coulonnier, Coulonnier, enfin un AP. Avec cet avion-là. C'est ça. Poigny, ou c'est deux AP. Logne, Auxerre, Troyes. Ouais, c'est ça, ouais. Donc là c'est le 2 AP qui est indiqué là, ouais. C'est ça. D'accord. Ce qui est dommage c'est qu'il y a... Alors on fera gaffe. On fera gaffe à Saint-Flo qu'il n'y ait pas des paras ou des... D'accord. Ah oui. Peut-être, ouais, demander, est... peut-être demander à Seine s'il y a des paras à Saint-Flo. D'accord. Hein, ah, c'est qui cavale? Seine de Fox Golf Hotel Papa. Ouais, ouais, j'ai vu. Deux fois. Merde. Ah ouais. Golf Hotel Papa, je vous rappelle. Ah. Donc 5 minutes, donc on va... Il va déclencher, il va nous dire time expired. Ouais. On mettra 3 minutes de plus. D'accord. Et après on changera le réservoir. D'accord. Sa arme. Voilà, là il va aller rechercher sa nave. C'est l'info du Québec Juliette pour passer avec Val. On a passé la ville là, ouais. Fox Québec Juliette, 7 minutes quittées. Val info 135 850, au revoir. C'est reçu, merci. Voilà, bonne journée Québec Juliette. Golf Alpha X-ray. Non, c'est pas. Go ahead. Golf Alpha X-ray, traffic information, A330, departing from battery, westbound. Il faut une autorisation. Ah ouais. On se posait assez souvent à l'époque, c'est libre. Voilà, là il reprend. J'ai l'autorisation. Ah oui. Non, tu demandes au président. Il en GPSS. Non, ouais. Il nous la donne généralement. Ouais. Voilà, je l'ai mis en GPSS, hein, GG. C'est bien. Alors on va voir s'il prend sa route. C'est bien. Ouais, ce matin, il l'a prise, donc voilà. Il faudrait peut-être qu'elle nous réponde. Oh, tu sais, Daniel, de ce temps-là... Ouais, je sais bien. Les parachutistes, mais surtout bon, un lundi. Ou, surtout un lundi. Ou des planeurs. Ou des... Ouais. Planeurs, c'est autre chose. Mais... Ouais. Est-ce que je l'ai dans mes... Alors, ça serait pas ce qu'on voit là-bas? Ah ben c'est droit devant, on passe à côté du terrain, on passe légèrement à l'est. Ouais. Ça c'est la ville de Saint-Flo qui est là. Et le terrain, je le vois là-bas. Ouais, c'est celui qui est là, on voit un gars qui a fait un... Il est juste là, on il voit y a du blanc dans du jaune, là. On voit du vert dans du jaune. On voit les hangars là-bas, moi ouais, je les vois ça, là, à gauche. Donc tu vois, j'ai même les fréquences à contacter, tu vois, 123-125. Ouais. Hein, tu vois, Saint-Florentin 123-5, bon... 123-5, ouais. Et le QNH, normalement c'est 1012. Douche. D'accord. Ah, oui. On aurait bien. Où est-ce qu'ils vont le choper ça, le QNH là-dessus? Bah c'est le QNH de 3, de LFQB. D'accord. C'est confortable là, quand même. Ah, essaye essaye voir de la rappeler. Ce que je disais ce matin, il est très stable. On est bien. Bon, bon, je l'appelle alors. Ouais, appelle là. Il est très stable. Ouais, mais bon. Enfin, information de Fox Golf Hotel, Papa deux fois. C'est juste pour savoir s'il y a une activité para ou planeur dans les environs de Saint-Florentin. Nous sommes à proximité. Papa deux fois, pas de para ni planeur à Saint-Flo. Ah bah parfait. Très bien reçu, merci. Ah bah voilà. C'est ce qu'on voulait savoir. Donc Nanop, c'est bientôt, hein, c'est le 25, c'est dans 11 minutes. D'accord, donc là il donne l'heure UTC. Il te donne ton désiré de track, ouais. le TA donc l'heure, ouais. Et la distance cumulée depuis LFGH. D'accord. J'ai donc, pas de volume, hein, donc moi c'est fort. À fond. Pas de volume. Tu veux que je te baisse un peu l'intercom? Ah s'il te plaît, mais je veux pas vous gêner. Hein. Non, on va te baisser ça. Vas-y, voir. Voilà, c'est là bien. C'est peut-être mieux, non? Ouais, c'est mieux, ouais. Tu veux un peu plus bas encore? Non, ça va, c'est ça bon va. Ouais, c'est bon. Ok. Ouais, c'était trop aigu tout à l'heure. D'accord, nickel. Si ça marche, c'est bien. Ouais, impeccable. Bon, alors le terrain, bah, il est là, tu vois, on passe juste à côté. Gauche, là, ouais. Golf Alpha X-ray, A330, departing now. Have them inside, Golf Alpha X-ray. Donc là, on est sur les 24-24 dont tu parlais. Voilà, dans ma voie, tu vois, 23-6. Donc la pression d'admission, bah, c'est le chiffre du haut, et les tours d'hélice, c'est le chiffre du bas. Ouais. Et là, on a le fuel flow qui va toujours, avec... On est toujours à 24-24 sur le stadion à peu près. Donc, ouais. Ça dépend le type de vol qu'on veut faire. Mais si tu veux en croisière comme ça... Là, on est à 60% de puissance. 24, 24. Mais ah ouais.
pas. Tu peux prendre 23, 23, tu peux prendre, oui. Tout dépend de la puissance que tu as. Bon, on a quand même 155 nœuds. 424, ouais, on est à 65, 70%. On est à 60 là. 60, ouais. Ouais. Tu vois, donc ça va. Et puis, bon, il y a deux chemins de fer. Mais il est évident, oui. Après quand tu montes. Quand on monte, après on est à fond. Hein. C'est à fond des manettes. Bah oui, totalement. Je suis monté, moi, l'autre jour, on a fait la sortie Alpes, puis je suis monté à 13 600 pieds. Ah, ok. Donc là, le terrain, il est juste à gauche, en fait. Voilà. On est juste... Il est juste sous l'aile. Ouais. Je suis passé entre l'aiguille du Midi et le Mont Blanc, tu vois. Je suis monté la mer de glace. Ouais, ouais. Puis je suis passé par derrière. Il n'y a pas de zone de guerre, donc entre on les deux. Bien. C'est joli, quoi. Ah oui, c'est bon. Ah bah là, non. Ça rappelle quelque chose. Ça rappelle quelque chose, hein. Ouais, c'est le Morvan, donc, il est derrière. On l'a fait il n'y a pas longtemps. Le Morvan, il est derrière, hein. Bon, ben voilà, au moins. On voit légèrement les lignes de crête que ça fait. Ah, moi, je volais la ville de Troyes là-bas. Avec un PA-28 160, je montais pas. Hein. C'est, ouais, c'est déjà la ville de Troyes que l'on voit là-bas au fond. Ah bon? Ouais, d'accord. C'est un peu faiblard comme avion pour. Mais c'est bien parce que tu sens la limite. Si tu joues le jeu, tu sens vraiment la limite de l'avion. Ah bah, de toute façon, tu peux pas tricher non plus. Là. Ah ouais. C'est intéressant de voler avec un avion sous-motorisé pour quand t'es un peu à l'altitude, tu vois, en montagne. Faut être fin, quoi. Good afternoon, Alpha Bravo Delta with you. Donc là, le terrain il est dans les 400. Ah, on va avoir du 900, effectivement, là-bas, ça monte un peu. Bonjour madame, Hotel Alpha Bravo Delta, Nansen of 2, Alpha November 2. Alors, côté extérieur, on va mettre 3 minutes. Et dans 3 minutes, là, il va faire time extérieur. On va mettre 3 minutes ici, ouais. Et on changera le réservoir et on le remettra à 0. Donc là, on fait quoi? Hotel Alpha Bravo Delta, attends, pas tout de suite, on va attendre qu'il y ait 3 minutes. Ah d'accord, ok. Ah, tu attends les 3 minutes. Voilà. Et ensuite, on fera clear et start stop. Mistral 1-2, good afternoon, maintaining 3000. Mistral 1-2, continue heading, climb level 70. Continue heading 260, Mistral 1-2. Mistral 1-2, climb level 70. Climb level 70, Mistral 1-2. Ouais, c'est un peu... Bah, sur Paris, normalement, c'est bon, hein, la météo. Hein. Ouais. Avant, Chalon. Combien il te reste de fuel, Daniel? 45,9. Ça va. Ouais, ça va, on a ce qu'il faut. Hein. On fait un passage au Tréport. 2h30. Ouais, 2h30, ouais. Boss 1-2, direct au Crix. Alors Chalon, là il y a Cavoc, Tempo, avec Ocrix. 4000 TSRA, Belin c'est Cavoc, Charles de Gaulle c'est Cavoc, Le Bourget c'est Cavoc, Les Orly c'est Cavoc. En réalité c'est 16 gallons. Donc ça va, c'est pas étonnant. Ça va sur l'amélioration. Tiens, où est le Grand Lac d'Orient là-bas? Voilà, c'est 60, ça. Donc on va aller là, hein, et puis on va faire le tour et puis on rentre après. Oh, moi je veux pas rentrer. Tu veux pas rentrer? Non, on est bien nous derrière là. Ah bah ouais, là, c'est impeccable. Il te manque pas quelque chose, Jean-Luc là? Quoi? Bah, un petit verre de whisky. Jamais en vol. Ah bon? Tu veux un whisky avec la glace? On a la glacière. Non, sans glace, s'il te plaît. Donc on va aller Nanop. Nanop, on fera le tour du lac. Et ensuite, on refera Sobda. D'accord. Donc sachant que là, le tour du lac, il y a une petite réserve. Voilà, ici. Bon, donc en fait, là, ces réserves-là, c'est 1000 pieds. On va faire le tour, là, ici. Ouais, d'accord. On va faire ça, puis après, Sobda. En faisant gaffe, là. Juste au nord, là, il y a la R15, quelque chose. Ouais, c'est les parades Brienne. Mais on n'ira pas dedans, hein. Avec Eboma, level 90, Mistral 1-2. Bon, alors, attends voir. Ça, on est ici, maintenant. Je vais pouvoir mettre ça comme ça. Voilà, Nanop dans 6 minutes. Donc après on ira faire le tour du lac et on fera une direct sur Sobda. Kotam 1750. Kotam 1750, pas sur message. Ça c'est la ville de Troyes. Kotam 1750, request to switch with plane information. Voilà, on a... 1750, cook VFR and contact Basel information. 135850, goodbye. Et voilà, et là je change de réservoir. 135, 85, voilà, bye bye. C'est bon, mais j'ai déclenché. Ok. On a du fuel flow, je coupe la pompe.
Donc quand tu mets le, quand tu changes le réservoir, tu mets la pompe. Toujours. D'accord. Pour avoir une pression, ouais, pression d'essence. Donc là, on était sur le gauche. Mistral 1-2, contact Paris Control, 1-3-2, décimal 1, goodbye. 1-3-2-1, bye-bye Mistral 1-2. Voilà. Ça va derrière? Pas du tout. Impec. Même pas peur? Pas du tout. D'accord. On a mis la tête dans le saut à glace, donc on voit rien. D'accord. On a distribué les sacs, c'est bon. Même GG, il a pas peur? Non, mais si tu me mettais la carte sur le GTN, j'aimerais bien, moi je vois la nav, parce que là, avec tes points, là... Oh, tu nous... T'es gentil, Daniel, merci. Ah, purée. Voilà, c'est gentil. Ça fait double emploi, là. Oui, mais c'est pour moi que tu le mets, là. Ah, bon? Parce que je vois pas, moi, ton PDF, là. Ouais, mais hey, t'es pas pilote, t'es passager. Ah bah oui, bah alors, attends, tu me demandes comment ça va. Moi, ça va pas, si je vois rien, ça va pas, quoi. Oh, purée. Puis je peux rien noter, si tu veux. J'ai noté 3-4 trucs, là, mais... Ah, ah, les mecs, ils sont exigeants. Non, là, t'as trop zoomé, là. Je vois pas, là, le point. Chier, merde. Merci, Daniel. Ah, le ronchon. Voilà, regarde. Là, au moins, je vois mes lacs. Mais tu les vois pas dehors? Non, remets comme tu veux, Dani. Non, non. On fout. Moi, j'aime bien avoir la nave ici et la carte devant moi. Oui, mais ça, tu me l'as déjà dit. Ça fait je ne sais combien de fois qu'on vole ensemble. Ça fait à peu près 500 000 fois que tu me l'as dit. Bah oui. Finalement, tu deviens comme le cul de nec. Tu radotes sans arrêt. Ah, d'accord. Voilà. D'accord. Là, tu vois, c'est bien. On n'a pas de vent. Hein. L'aviation, tu as les habitudes de vie, garçon. On n'a pas de vent. Ouais, c'est un petit face. Ça n'a pas de vent du truc. Donc, de Nanop, on reprendra en... C'est compris qu'il faut rajouter 3 on minutes. On reprendra en e-dig. C'est qu'il est con, hein. On reprendra en e-dig. Faucon 1736, bonjour. Arrivons vertical de... Alors, je plaisante, mais... Niveau 65. On a tous nos petites habitudes. Alors, puis alors, avec le plan de vol VFR provenant de... Mais ça, c'est du détail. Albert, ouais, station de avant. Maîtrise. Cotam 1736, identifié radar, affiché 3454. Voilà, on a une belle vue sur la ville de Troyes. Oui. Et le terrain de Troyes doit être bah, là-bas. Il est à tes pieds, là. Ouais, ouais, là-bas. 1936, confirmé, c'est un plan de vol VFR. 36, ouais. Plan de vol VFR, c'est 36. Roger. Il est en bout d'aile, ouais. Ouais, ouais, il est en bout d'aile. Troyes, ouais, effectivement, ouais. Alors, les lacs, tu nous fais un kiss landing sur le lac? Ouais. Bon. Voilà, là je vais le prendre tout de suite en e-ding et je vais aller chercher le bord du lac. Alors ce qui est bizarre dans ces lacs là, vous allez voir, il y a des lacs où il n'y a pas de bateaux, qui sont pas navigables en fait. Il y en a où il y a quand même des bateaux. Bon, je vais tangenter le lac par la droite que vous puissiez voir. Parce que bon, moi, c'est pas grave. Toi tu pilotes. Moi je pilote. Ouais. Donc je fais du tourisme pour vous là. Les gentils. Ah. On est remercié. 22 degrés dehors. Et on a une belle vue sur la ville de Troyes. C'est quand que l'hôtesse passe avec les boissons fraîches? Dont le maire est? Le maire est François Barouin. Très bien. Et il est marié avec qui? Ah, il est peut-être pas marié, il est avec Michel Larocque. Très bien, il est paxé avec Michel. Et je les ai vus une fois dans un avion quand je revenais de Valence. Ouais. Ils étaient le siège derrière moi, les deux. D'accord, ouais. Et on n'a pas l'habitude de le voir. Le mec, il était en t-shirt et tout. Et quand je débarque de l'avion, je dis punaise, il ressemble à Barouin, ce mec-là. Ah, ouais. Et puis après, t'as les passagers, ils disent ah, t'as vu, il y avait Barouin et tout. Ah, bah j'ai dit oui, il pouvait ressembler. Ah, oui, c'était lui alors. Mais ça fait drôle de le voir en jean et en t-shirt, quoi. Ah, bah oui, c'est sûr. Eh ouais. Nous, quand on débarque quelque part, c'est les pilotes de Sadi Le Coin, c'est pareil. Ouais. Ouais, mais on n'a pas nos barrettes sur les épaules. On devrait avoir une cravate. Ah, on devrait, ouais. Alors ça doit être l'autoroute A5. Oui, bon. Surtout sur le t-shirt. C'est l'autoroute A5 qui est en bas, là. J'y réfléchis. D'accord. Suggestion, président. Voilà. Mais je savais pas que ça serait un vol Air Voici Magazine. Ouais, ouais, voilà, ouais. Ouais, tu vois, ça c'est l'autoroute A5, là, que l'on survole. Donc les zones de Brienne, on va pas aller dedans, donc on est très bien comme ça. T'as qu'il est grand ce lac, hein. Ah ouais, il est grand. Alors tout ça, c'est les bassins de retenue de la Seine. C'est cela. Anticru,
qui a très bien fonctionné comme on l'a vu depuis 2 ans. Oh, vous avez vos gilets de sauvetage? Ouais. Eh ben, je l'ai dans mon sac, le mien. Hein. Ouais, t'as investi? Bah, je, depuis... Moi, j'en ai pas besoin, j'ouvre la porte, je sors. Ouais. Depuis qu'on est allé en Irlande, j'en avais acheté un. Ouais. Écoutez-moi 1736. Achat, tu fais quoi, 1736. Quittez la fréquence avec donc les Roméo 4 actives et Saint-Dizier également. Ouais, donc Saint-Dizier, on n'ira pas. Voilà. Bien copié pour Roméo 4 et Saint-Dizier, Cotabas 1736. Donc on va faire, on va faire un anop, mais il y a déjà deux nôtres. Cotabas 1736, on descend à 2100 pieds QNH. Roger, 1736. Roger, ouais. Roger. Elle a dû bosser dans l'armée. Ouais, peut-être, ouais. Donc on va rester avec elle, on va pas aller plus loin parce que on va rester avec elle, sa zone elle est dans 5 nautiques. Mais bon, on va tourner tranquillement. De toute façon, on passe après sur Seine 134-3. Sur Somda. Donc tu vois, Somda, je vais lui demander la directe tout de suite. Activate. Tac. Et voilà, tu vois, on a la directe sur Somda. J'ai plus qu'à enclencher la nave et c'est bon. On va y aller. Régis? Ouais. Qu'est-ce que tu veux? Caméscope. Yes. Voilà, là il y a des bateaux sur ce lac. Voilà. Ouais, y a un petit ponton, t'as des pontons, t'as tout là. Voilà, mais c'est curieux, ils sont pas tous navigables quoi. Allez, nave enclenchée. Celui-là, il n'y a rien là. Et on fait la direct sonde. Dans l'information de Cotab 1736, on passe 4200 pieds en descente, on quitte la fréquence pour passer avec Chalon Vatry. Cotam 1736, contact batterie 129.4, à tout à l'heure. 129.4, à tout à l'heure, merci. Voilà. Comme ça, on va voir la ville de Troyes par le nord. C'est bien d'être passager aussi, parfois. Ah oui, c'est agréable. On peut dire, alors... Quand on vole sur des avions lents, c'est encore le pied plus parce que on est tous habitués à voler là-dessus sur des trucs qui foncent, t'es toujours devant donc t'es toujours absorbé. Et quand t'es passager comme ça, c'est très cool, agréable. Donc 3 il est sur la gauche là maintenant. 3 il est là-bas devant. Il est là-bas. Devant à gauche. Gauche. Ouais. Ah ça y est, je vois. Ah, sur le lac, il y avait une petite plage avec des gens. Non, devant, c'est le plat de chef là. Ah, bah là, ouais. Hôtel Delta, bravo Lima. On passe 3500 pieds en montée vers niveau 100 en route vers 20. Fox, Hôtel Delta, bravo Lima, ça approche. Bonjour, identifié radar, début du service de contrôle, passant niveau 65. C'est bien reçu, Fox, bravo Lima. Là, t'as vu, il y a des piafs. Des quoi? Il y a un espèce de piaf là qui nous est passé devant. Hein. Non, j'ai pas vu. C'était un hélicoptère. Ouais. Beige. Then Golf Alpha Whiskey Alpha X-ray visual 3 and starting the descent. Golf Alpha X-ray, Roger, traffic information 11 o'clock, 5 nautical miles, left to right, 2000 feet below. Le temps est ok. Hein. Ouais, là, ça va. Là, ça va. Là. Ouais, c'est bien. Et plus en allant sur Paris, ça va être bon. Hein. Ah ouais, ouais, là c'est top. C'est l'information de Fox Hotel, Mike Echo Golf, bonjour. Orly, il y a Kavok avec DCB à 70, Echo au niveau Golf, 70. Info, donc, bonjour, Kavok, Tempo, le 12 de 21. Et pour le moment, Orly, il y a Kavok. Hein. Fox, ouais. Bravo Lima, contactez Paris Contrôle 128 hein. Décimale unité, au revoir. C'est normal que ça tourne. Hein. Paris Contrôle 128 décimale unité, Fox Bravo Lima, au revoir. Station à Plantaine Info, bonjour, j'écoute. Oui, bonjour, c'est le Fox Hotel Mike Echo Golf avec le Roy en provenance de Dijon Darrois, destination 2 Vendeuse, actuellement à 4 métiers, les 2 et les forces de l'AR40. Fox Echo Golf, je vous reçois très mal. Voilà, Urello. Je vous rappellerai plus tard. Il nous reste 70 nautiques pour aller à l'Ogne. 68 Alpha X-ray, course VFRN, contact 3 information, 123725, goodbye. C'est déjà une demi-heure qu'on vole, j'ai rien vu passer moi. Une demi-heure pour l'Ogne. J'ai rien vu passer.
On arrive à 13h39, donc 15h39. Moi je vois, j'ai 13h59. Donc 15h59. 14h, ouais. 15h59. 16h. Fox Hotel Mike Echo Golf, actuellement à 4 28 minutes. Allez, on arrête. Fox Hotel Mike Echo Golf, identifié radar transpondeur 3455. 3455, donc là, ça c'est bon. Niveau 65, on a le temps de descendre. Hein. En plus, on touche pas la centrale de Nogent, donc ouais. C'est nickel. Ah bah là non, on va être au nord. Ouais, on va être au nord. Voilà la ville de Troyes. Il est où en fait l'IRSO là? L'IRSO, il est ici. Urello. L'IRSO, c'est la prochaine, donc, c'est l'Urello. Information, trafic dans vos midi nautiques, droite-gauche à l'arrivée à 3. Ah. C'est reçu pour le Fox Papa 2 fois, merci. L'IRSO, il est là. Nous, on va sur Urello. Qui est là. D'accord. Ah oui, ces années-là, ok, l'IRSO d'accord. Est là. Ok. L'IRSO, il est à peu près à la Ferté Gaucher. Ah, ok. Alors, elle nous a dit l'altitude du trafic, là, non? Non, mais devant, elle a précisé 8 nautiques. Ouais, il est loin. Droite-gauche. Droite-gauche, donc là-bas. Ok. Ouais, bah, de toute façon, s'il va à 3, il va descendre. Hein. Alors, le réservoir, 18 minutes. Il nous reste 41 gallons, donc c'est largement bon hein, pour une demi-heure. Ça nous ferait du 1 gallon minute, il reste encore 40. Ah ouais. Les tempées sont bonnes, la pression d'huile, on a les volts. Pas d'appareil. On est à 148 nœuds de vitesse sol. On a mangé 27 gallons depuis ce matin. Et il nous reste 41,6. Et un bon steak à midi. Ouais. Et il nous restera 33,9 à l'arrivée. ...2h21 d'autonomie. Truffé d'éoliennes, là. Hein. Ah ouais. On a partout, là. Ouais. Ouais. Et elles n'existaient pas il y a 3-4 ans. Oh bah oui. Tout ce champ, là. Tout ce champ, c'est incroyable. Ah, t'en as partout. T'en as là. Ouais, t'en as aussi. Vous savez que les fondations... On le voit pas, le... En fait, une éolienne, ce sont des blocs de béton. C'est plus difficile encore à bousiller que les blocos de la deuxième... Ah ouais, à ce point-là. Tu ne peux pas les bousiller. Les gens ne le savent pas. On sait pas. Donc on va passer sur la balise Tango Yangtze. C'est très profondément. Qui est un ADF. Ah, ouais, mais on la verra pas parce qu'un ADF, c'est une petite antenne. C'est vrai que les vores, on les voit bien quand même. Ouais, mais c'est un ADF, donc on le verra pas. Alors ouais. Apparemment, on passe vertical de Tango Yangtze là. Donc ça doit être. C'est une antenne. Salut, Fox Oscar Lima, bonjour. Fox Oscar Lima, Seine, bonjour. Fox Bravo Victor Oscar Lima en PA28, deux personnes à bord en provenance de Reims-Prunay. On fait une triangulaire Château-Thierry et Bernard autour Reims. On a 7000 au transpondeur, 1700 pieds au pilonnage 1002. Fox Bravo Victor Oscar Lima, affiché 3456. Ouais, 134-3 bientôt. 3735 au transpondeur Oscar Lima, vous confirmez? 3456 Oscar Lima. On va voir. 3456 Oscar Lima. On va passer pas loin de Romilly en fait. Romilly, oui. On passe au nord de Romilly sur Seine. Donc vous regarderez sur votre gauche, vous verrez un ancien aérodrome. On le voit plus, okay. Y a plus rien. Si, on le voit, si. Ah bon? L'autre fois avec Julien, on y est passé justement, c'était la cible du déroutement. Parce que faut bien regarder, on voit encore la structure de la piste. Ah ouais, Parce que et même avec la croisée. C'est un centre commercial maintenant. Ouais, c'est ça, ben voilà. Tu vois bien le centre commercial, tu vois la piste qui est à côté en fait. Parce que je m'y suis posé moi à Romilly du temps où ça existait encore. Ouais. Ouais. Tu nous dis quand ça arrive, Pascal. Bah, je le cherche. Mais là, il risque de nous passer dessous, en fait. Romilly, on le tangente, ce sera sur la gauche. C'est la ville qu'on voit là-bas. C'est la ville qu'on voit là-bas. Voilà, c'est ça. Ok, alors l'aérodrome, il doit être... Il est de ce côté-ci de la ville. Quelque part en dessous, là, devant nous, là. On va y passer quasiment à la verticale. Ouais, à peu près, ouais. À la rigueur, il faudrait que tu te mettes juste sur la forêt pour qu'ils le voient. Oh, ben là, ils vont le voir, hein, parce qu'on voit le centre commercial. Donc, on le verra, hein.
On le verra, hein. Le centre commercial, il est là. Ouais. Donc le terrain, il est juste, juste là. Donc d'ici, ils le verront. Hein. D'accord, ils le verront. Ah okay. Oui, oui. Tu vois, le temps est bon. Hein nous, on le verra. Le temps est bon, ouais, sur Paris. Non, mais lui, là, il est quasiment au bord de la sieste, donc... Qui ça là. Ah, ouais. Là. Gérard. Non, Régis. Non, Gérard, il dort d'un œil. Moi, je dors pas, non. Ah, il dort pas, il a pas trop confiance au pilote. Non, non. Bon, on devrait passer pas loin, là. Ouais, on passe sur le centre commercial. Fox Oscar Lima, identifié radar. Ah, c'est pas nous. Fox Oscar Lima. Alors, on a encore 14 minutes pour le réservoir. Tu vois, ils construisent deux éoliennes. Ah, ouais. Péché, ah, ouais. Ça. Ils en font deux de plus. C'est fou, il y a beaucoup de vent ici. Il y a du vent, ouais. Fox, papa, deux fois, contacté son information. La plaine, t'as rien qui arrête. 134.3. On passe sur 134.3, merci. Voilà. C'est une info de Fox Golf Hotel Papa, sur 134.3. Fox Golf Hotel Papa, deux fois, bonjour, identifié, j'ai les éléments pour tuer. 7 de Fox, bravo Papa, il y a Charlie, bonjour, on est à du niveau 60, direct vers Dombes. Ah, il est là le terrain, là. C'est... il était là. On voit l'espèce de truc vert. Fox, bravo Papa India Charlie, bonjour, identifié, maintenez niveau 60, Dordi et Alpha X-ray. On maintient niveau 60, Dordi et Alpha X-ray, Fox India Charlie, merci. Il y a l'atelier SNCF là. T'es en train de les construire là, ouais. Là, il y a une grue. Voilà. 975 Québec, approaching Drisno 2100. Crimson 975 Québec, Roger. Oh là là. Vous le voyez l'aéronome alors? Ah, il est là, il était là. Il hein. Est Charlie, j'écoute. Donc pour information, on se préfère les... Je réponds juste à côté du centre commercial. Ouais, bah le centre commercial est là. Et on doit avoir un CTOT normalement à 14h10. Il était là. La piste était comme ça. Ah oui, je vois là. Crimson 975 à Québec, that's approved. T'as les hangars là. Voilà, ouais, c'est ça. Bonne journée. Vu. Ouais, je m'y suis posé moi avec ce, sur ça. Mais là, il y a l'atelier SNCF là. D'accord. Et là, c'est Charlie, vous avez bien un créneau très charmant, il est 13h37. Bah, non, normalement c'est 14h10 le CTOT. Alors, on fait Romilly. Après Urello, si, voilà, on voit nos gens là-bas. Voilà, donc on passe au large. Donc Urello, on y arrive là, dans 2 nautiques, on y arrive dans 20 secondes. Dans 1 minute, je suis désolé, vous êtes encore dans les espaces d'Orly. Après c'est l'Irso. Elle était où la piste? Vous souhaitez qu'on fasse un... Voilà, un en longueur là. Ouais, en longueur, c'était une 0422. Ouais, c'est sûr que ça marche. D'accord. Donc c'est 13-40, plus 10, non, on n'aura jamais... Et on voit l'atelier SNCF. Ils ont avancé en fait, parce que quand on est parti, on avait 14h10 au truc là. En Romilly à gauche, qui est bien étendu comme patin. SNCF, ouais. Je vous rappelle. Là-bas, c'est nos gens. Ouais. Oui, bah, toujours sur la 6201. On aurait dû dire Roger à la dame tout à l'heure. Ah ouais, Roger, ouais. Fox Zulu Lima, vous avez fini, c'est la ou même, vous restez hein. Encore? Je sais pas. Je pense que là, tu peux switcher sur Line directement. Zulu Lima, rappelez dans 10 minutes. Ah, dans 10 minutes, Zulu Lima. Parce qu'après, on repasse sur Paris Info, mais c'est ouais. Pas beaucoup, hein, donc on restera... À l'Irso, on va sortir de chez elle. Ouais. Donc c'est pas la peine de contacter après Paris D'accord. Info. Hein, on va faire un peu de... On va être un peu seul. Ouais. Tu passeras au sud de Coulommiers, bien sûr. Ouais, on passe au sud de la Ferté-Gaucher et sud de Coulommiers pour rejoindre directement Echo. Comme ça, on emmerde personne. En 22-2. On se mettra pas en fréquence avec eux? Oh non. Oh non, on passe largement au large. Regarde, on passe ah, oui, là, d'accord. Coulommiers là. Ici aussi. Ouais. Je disais, c'est humide ici aussi. Fox Hotel Sierra Victor Sierra en sortie transpondeur 7000. Bah regarde, il fait beau sur Paris. Disponible 124. Allez, petite vue sur deux jambes quand même. Vous pouvez passer le bonjour de la part de Malala au contrôleur de Perpignan. De Malala. C'est Malala qui dit Roger. 124.0 Victor Sierra. Alors, Romilly est derrière. Voilà. Je savais pas qu'il y avait une fréquence 3615 vue là. Ouais. Malala. Victor Serra, on l'a bien eu à La Rochelle. Ouais, c'est vrai. Bien copié, transpondeur 7000 et Poitiers Info 124.0.
7000, 340 et le bonjour de Malala à Perpignan, Victor Serra, bonne fin de journée, au revoir. Merci beaucoup, au revoir. Hey, on va aller, on va atterrir dans la prison là, il y a une prison ici, là, droit devant. Ah, on va aller faire une évasion là. En parlant de prison, en parlant de prison, ce matin Daniel, il y avait des flics là chez nous. Oui, pareil. Oui. Alors ils m'ont demandé, est-ce que vous connaissez des gens qui étaient proches du pilote Stéphane? Ah oui. Ah bah moi je lui ai dit oui, il y a un petit là. Bon et. Charlie. Et vous écoutez. Alors a priori vous avez deux plans, donc il y en a bien un qui a un créneau à 14h10, donc on va prendre ça. Et on va la survoler la prison. Ah, d'accord, bon bah super. Et je leur ai dit, bah vous l'intercepterez tout à l'heure quand il reviendra de Cône. Voilà, très bien. Il a volé avec lui il n'y a pas longtemps. Ah j'ai volé avec Bichon. En hélico ou... Ouais, en hélico. Ouais. A priori il s'est fait braquer. Bah oui, c'est lui qui s'est fait braquer. Ouais, c'est lui. Regarde si le temps est pas beau à Paris. Ah regarde, hop là, allez. Alors ils ont fait cramer l'hélico. Hein. Ouais, mais pas complet. Tout l'intérieur. Ouais, l'intérieur, ouais. Là, c'est Villeneuve-la-Grande, et là, on doit être vertical, la prison. Et tu la vois pas, la prison, on doit être vertical. On est au-dessus, hein. Ouais. Mais on est à plus de 1000 pieds. Ah, donc oui. La prison, tu dois avoir un signe quelque part. Elle est ici. Pour faire le plein. Non, ici. Louis-Ma, en fin d'évolution pour retourner en vie. Zulu Lima a quitté la fréquence. C'est un hélico d'achat. Tout à l'heure, merci Louis-Ma. Mais non, l'alouette c'était un privé. Ben oui, mais il allouait depuis deux mois environ. C'est ça. Des alouettes comme ça, il y en avait cinq en France. Ah oui. L'état de vol. Apparemment, on reçoit la Tisse de Logne. Ah bon? Ouais, tu vois, on est en RX, donc on reçoit. On va essayer de la copier. Alors là, tu appuies sur monitor, là, ici. Tu appuies là. 140 degrés 7, visibilité 10 km. Sur 28, Québec Number Hotel, unité 0-2. Couché, il fait 19h54, UTC, merci d'avoir parlé. L'Union Point Contact, vous avez reçu l'information India. Et j'ai saisi l'Union Point India. Bonjour, ici Lonnie, information India, retraite 13h48 TC, piste en service 08. Attention, escalière, vol sol 140 degrés 7 nœuds, visibilité 10 km, température 28. Québec Number Hotel, unité 0, unité 2, couché du soleil 19h54, UTC, bon. Merci d'un point. Lonnie, on a 1012. Alors. Il a dit 08 en service 08. Voilà. 1012. Voilà. Donc on a l'info India, donc c'est bon. On sait que c'est la 08. C'est bon, 6 minutes 30. On est bientôt. Oh ben non, on a encore le temps pour descendre. On va bientôt lui dire au revoir à la nana là. Ouais. Eh regarde, pas beau ? Ah ben là c'est nickel. Hein. Eh, elle était bien notre nave là. Ah ben là oui. Hein, on a bidouillé dans les Cunables là tout à l'heure, c'était bien. Donc on va se mettre sur le réservoir. Après avoir tâté les plafonds bas. Oh ça a été. Oui, enfin. Façon de parler pour dire qu'ils étaient quand même pas hauts sur le côté quoi. Ouais ben bon, tu vois il y a un petit grain là-bas mais il est derrière. Alors l'IRSO, dans 14 minutes on arrive à Logne. L'IRSO il reste 5 nautiques. L'IRSO. 5 nautiques 5. Donc on peut savoir combien de temps on est à l'IRSO. Dans 2 minutes. Fox Golf Uniform Mike India, bonjour. Donc Uniform Mike India, bonjour. Cézanne, c'est quelque part à droite là-bas. Mike India décollé de Nangis pour une voltige. Cézanne, il est derrière. Là-bas, ça doit être Épernay en fait. Esternay. Voilà, Esternay ici, là. Ouais, on est Esternay légèrement derrière. Et là-bas, Cézanne. Bah, Cézanne, il est bien derrière maintenant, tu vois, regarde, il est là. Il est là, Cézanne. Ouais, je suis bien. À 150 nœuds, ça déboule, hein. Ouais, tu m'étonnes.
Allez, on va commencer la descente à 2005, tu peux lui dire à la dame. Ah, il est très confortable hein, comme avion. Non, on n'en revient pas, c'est... Est-ce qu'il est possible de quitter pour avion. Prendre les dernières infos au fer, s'il vous plaît? Allez, on va descendre. Fox India Charlie, vous voulez... Il n'y a personne à... Il n'y a pas d'affiche à Auxerre. Vous voulez que je vous donne le métal? Ah oui. Oui, je veux bien, s'il vous plaît, madame. Ah, puis il cavale, hein. Vous êtes prêt à copier? Oui, il y a servi, je suis prêt à copier. Alors, c'est le Médar Auto de 13h30, donc il y a 15 minutes. Le vent 240 degrés 4 nœuds, Visi Sup à 10. Des orages aux alentours, cumulonimbus, température 25, point de rosée 19, QNH 1013. Ok, on a pris le vent du secteur du 240 pour 4 nœuds, QNH 1013 avec l'information sur les orages autour. Merci beaucoup, madame. Bah, tu lui dis qu'on descend vers 2005. Bravo, Papa India Charlie, contactez ma collègue 120 décimales 325, au revoir. Ouais. 123-125, India Charlie, merci, au revoir, madame. Scène information de Fox Golf Hotel, Papa deux fois. Fox Golf Hotel, Papa deux fois, vous êtes en sortie de mes zones, vous voulez une info? C'était juste pour vous informer que nous allions partir et quitter votre fréquence. 7000 et quitter, au revoir. 7000 en quitter, au revoir, bonne fin de journée. À vous aussi. Voilà, ici, et VFR. Voilà, nickel. Enter. Ce que je veux, voilà, j'ai vu tranquillement la descente vers le niveau... Voilà, tu peux mettre sur log, voilà. Et puis tu peux mettre 122-12 direct. Daniel, oui. Québec Charlie, j'ai atterri 08 dur. Oui. Comme tu descends à 21-21, tu sais pourquoi on met le pas à 21? Oui, pour maintenir les tempés. Oui, enfin c'est aussi pour réduire la consommation. Ouais. Parce que j'ai deux trafics encore en Régis, Jean-Luc, sur la droite, ouais, en avant de l'aile, la Ferté est gaucher avec son petit circuit. A priori, route éco, pour pouvoir faire le calcul d'être là. Moi aussi, j'ai le gaffe, on n'a pas visuel, on continue tout à l'heure. Fox Nord-Brico en vente arrière, main gauche 08. 250. Nord-Brico numéro. Ensuite on bascule à droite 08, et on n'y touche plus. On rappelle final 08 dur, Fox Nord-Brico. C'est Kilo Yankee en sortie pour quitter. Kilo Yankee transfondeur 7000, quitter fréquence là tout à l'heure, bon vote. On quitte 7000 transfondeur à tout à l'heure. Ouais, dans 10 minutes on arrive à Logne. Hein. Une heure ça passe vite dans un avion, c'est pas possible. Ah, ah ouais. Ah oui. Allez, on descend à 1500 tout doucement. Bon, alors Colomiers est là-bas à droite. Ouais, c'est ça. Pascal, là pour l'instant, tu te balades sur des petits avions, pas vu qu'ils sont pas rapides, mais après, ça sont des avions de voyage. Hein. Ouais. Donc c'est quand même. Tu es de Golf, si tu en écoutes le trafic c'est annoncé, secteur 10-11h pour 2 nautiques à présent, toujours 400 pieds par. Tout ici, on surveille on voit bien la Ferté Gaucher là-bas. Ah, visuel, mais bon. Au ah, la caméra, ça sera pas énorme, mais bon. Ah, bien la Ferté Gaucher. Ouais. Voilà. Logne de Fox, Golf, Kilo, uniforme Yankee, rebonjour. Uniforme Yankee, rebonjour. Oui, Fox Uniforme Yankee, un TV9 en provenance du secteur Coulommiers, minute du point Echo. Fichier 3730, rappelez Echo Uniforme Yankee. Profondeur 3730, on rappelle point Echo Fox Uniforme Yankee. Descend à 160 nœuds là. Hein. Ah oui. Ah ouais. Et tu vois, quand on met 21-21, on n'en plafonne pas la zone jaune. C'est pile poil dessus. Ah oui, effectivement. Ouais. Ouais, là, on mord un peu là. Et on suffit de réduire un peu le taux de chute. Mais on n'en plafonne pas beaucoup. Hein. Ouais. T'es à 22 là. T'es... Ouais, je suis à 22. Je peux mettre un peu moins. Voilà. Ouais, tu vois, on est bien. On est limite. Ouais. On n'en plafonne pas normalement, 200 pieds. Alors, il nous reste 17 secondes pour le changement de réservoir. Simone, elle va gueuler là. Fox Nord-Brico en finale pour un toucher sur la 08 voilà. Dur et si possible quelques basses hauteurs à gauche. Nord-Brico 08 dur autorisé, touché, vent 140 degrés 3 nœuds.
Vous avez touché 08 sur Fox Novembre Echo. Voilà. Basse-hauteur approuvé, rappelez dernier virage de chaque évolution. Et on va dernier virage changer. De chaque évolution basse-hauteur. Je vais remettre mes réglages. Voilà. La pompe. Il y a de la pression. C'est bon. Clear. Start-stop. Mais maintenant, on touche plus à rien. Voilà. On est à 6 minutes d'écho. Oh, ça fait drôle quand on se retrouve à 1500. C'était India, c'est ça l'information? Ouais. Regarde le piaf là. Ouais. Ils volent vite les piafs de nos jours. Ah ouais, ouais. Votre uniforme Yankee, on est au. Charlie Tango, ça va pareil. Charlie Tango numéro 1, rappel final pour la gazonnée. On rappelle un final pour la gazonnée, Charlie Tango. Uniforme Yankee, rappelez vent arrière 08. Uniforme Yankee, on rappelle vent arrière pour la 08. Est-ce qu'on pourrait avoir, s'il vous plaît, la 08 gazonnée? C'est bien pris. Je crois que c'est sans Yankee, merci. Alors attends, là il dit 56, mais il y a un chrono qui dit à quelle heure on est, non? Il n'y a pas le, non, il n'y a pas si, on va savoir dans combien de temps on est à écho. 5 minutes. Ah, ça y est, oui, voilà. 5 minutes. Ok. Et on est à 57. Ouais. Merde. Voilà. Et là, je vais armer le visuel. C'est une... Ah merde, c'est une 08. Cancel. De toute façon la 08 on peut pas la faire parce que on peut pas la faire la 08 on, les trois nautiques sont dans la classe A donc Arbre Echo 08 est autorisé touché vent 120 degrés 4 nœuds un Cessna but final pour l'herbe qu'est-ce qu'il fait, il prend ton segment là il prend ton segment Daniel reprends ta nave et Charlie Tango piste 08 gazonné autorisé touché vent 120 degrés 4 nœuds. C'est... Pourquoi il va rechercher ça direct? Bah... C'est pas normal. Ah ouais, tu regarde. Vois. Ouais, on va lui mettre, on va lui faire la direct écho. Ouais. Ouais, il apprend, c'est bizarre. Voilà. C'est bizarre, ouais. Non, moi je ne l'arme qu'à partir d'écho là, quand tu fais un truc, parce que. Ouais, parce que tu vois, il va, la... il va chercher ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais. Donc Coulommiers, le terrain doit être à droite là-bas. Pascal, au lieu de regarder Coulommiers, appelle donc Echo log maintenant. On est à 5 minutes là. 4. On est à 3 minutes 50 d'écho. Voilà. Là tu peux l'appeler. Vas-y. Il appelle maintenant à 3 minutes. Ouais, appelle-le parce que ça va vite. Hein. Ok, ah oui. C'est pas... Ah non. Allez, vas-y. Le tour de Fox Golf Hôtel, Papa Bravo, rebondi. Papa Hôtel, deux fois, pardon. Papa Hôtel deux fois, bonjour. Non, c'est Golf Fox Hôtel, Golf Papa Hôtel, Papa deux fois. Retour de secteur de 3 avec l'information IGA à 3 minutes d'écho. Fox Golf Hôtel, Papa, Papa. 37-31 transpondeur, rappelez écho. 37-31 en transpondeur, on rappelle écho. Fox, Papa deux fois. 31, ouais. Voilà. Ouais, il est là l'IMAT. Donc si machin est là... Elle est là l'IMAT. Ouais. Alors, la check... Ouais, on va débriefer. La check approche avant descente. Donc on a... Sélecteur d'essence, donc on est à gauche. La mixture, la riche, le PA, le vent arrière. Voilà, maintenant prochaine... Uniforme Yankee, attention, vous avez viré un petit peu tard. On a pas mal de soucis avec les riverains dans le secteur. Ouais, uniforme Yankee, c'est vrai qu'il a viré un peu tard, ok. Il y a pourtant un damier. Allez, on va descendre à 1200. La question de 1200 novembre, si ça vaut le coup de décoller pour la gazonnée. Dernier message, c'était inaudible. C'était le Fox Victor novembre, si ça vaut le coup de décoller. Allez, pour je reprends la main. D'accord. Allez, voilà. C'est moi qui travaille. Oui. Ah, après, c'est on passe avec le sol. On passe avec le sol, Fox Victor novembre. Merci.
Nombre Alpha, Lutro, bonjour, niveau autorisé décollage piste 08 dur, 220 degrés 4. C'est bien spécial, 08 dur, Nombre Alpha. Piste 08 gazonné, autorisé atterrissage, vent 120 degrés 4 nœuds. Il n'y a pas de vent, dis donc. C'est le parc Astérix, ça c'est Astérix. Non, Euro Disney. Disney. Non, c'est Euro Disney. Ouais, à droite, là, Euro Disney. Ok. Bon, ben tu vois, c'est la première fois que je la fais en approche directe comme ça, Echo, là. En général, moi j'ai toujours tendance à aller d'op sur l'autoroute et arriver gentiment par là. T'as la 4 là. Ouais. Ah ouais, il est à droite de la 4. Ah oui, normal. Non, là, là on va être centré dessus après. Bon, il n'y a pas d'avion apparemment. Non, pas entendu, pas vu. Alors, on va pas prendre quoi, un robot est en dernier virage, basse hauteur. Ouais, c'est bon, on met les gaz, on va faire. Ah, c'est Blo. Oui, c'est Blo. Nombre Echo, quand il approche, je vous rappelle en cours, t'as un DR400 au départ. Profil de proche, Fox, Nombre Echo. Bon, Echo est là. Ouais, ouais, on arrive dessus. Il a dit de rappeler, hein. Ouais. Là, Montgolfière, là-bas. Ouais, c'est... C'est bien, c'est pas ça que je montrais. Ah, c'était l'autre là. L'autre. Ah oui, d'accord. Nombre Echo, piste 08, autorisé, touché, vent 110 degrés 5. Ah, ça sera un complet, Fox, Nombre Echo. Les atterrissages. On atterrit, Fox, Nombre Echo. Alors, c'est la 08, hein. Allez, ouais, plein riche. Ancienne maison. Allez, tu peux lui dire, on passe Echo. Ligne de Fox, Papa 2 fois, nous passons Echo. Papa 2 fois, entrée, rappelé vent arrière, 08. On entre en rappel en début de vent arrière 08, Fox, pas deux fois. Fox 8 en novembre, Monitor, bonjour, alignez-vous et attendez 08 dur. Bonjour, Fox 8 en novembre, on s'aligne, on attend 08 dur. Ça y est. Fox Charlie Tango numéro 1, rappelez final 08 gazonné. On rappellera en final 08 gazonné, Charlie Tango. Et la tour de Fox 2, Fox 4 de Québec, bien au niveau de la vitesse. Bon, Québec, rebonjour. CR400 de retour de local à 3000 d'écho avec India. 37-32 pour le transpondeur, rappelez les cours, moi Québec. 37-32, rappelez les cours, moi Québec. Voilà, on commence la vente arrière, alors on réduit à 15, on est à 110 nœuds, le train sur sortie. Les trois vertes, un cran de volet. Voilà, on est à 102, on est bien. Alors on mettra l'hélice plein petit pas en finale, on y pensera, on est plein riche. On est au début là, c'est ça? Hein? Là au début de l'aventure. Ouais, tu peux autoriser décollage 08 dur vent 100 degrés 5 nœuds. Tu peux t'annoncer. Fox Papa 2 fois début de vent arrière pour un complet 08 dur. Fox Papa 2 fois numéro 2, trafic précédent Cessna base, rappelez final 08 dur. Numéro 2, on rappelle le final sur la 08 dur. J'ai oublié Fox Papa 2 fois. Ouais, c'est pas grave. Faut pas trop qu'on le rattrape quoi, on va rester un peu comme ça. Justement, ça sera de le chercher et le fait de le chercher. Mais il était en base, donc il doit être par là. Ouais. Vente arrière, voilà, on est bien à 100 nœuds. Donc c'est Charlie Tango, 08 gazonné, autorisé touché, vent 120 degrés. C'est bon, il est là-bas, ouais, donc il nous gêne pas. On touche la gazonnée, Charlie Tango. On touche la gazonnée. Fox Novembre Alpha, trafic 11h30 nautique, Robin, route Echo 200 pieds bas. La route Novembre Alpha, pas de 18 mois. Fox sur moi Québec, trafic 10h de nautique en sortie est, 1400 pieds, pardon Robin. C'est reçu, on veut se qu'on pas visé. Ça y est, on a visé, alors on a Québec. C'est pas quitté, non, ça. Nombre Alpha 7000 quitté à tout à l'heure. 7000 donc quitté, Nombre Alpha. Allez, 2, 30 volets. Il est sur l'herbe, l'autre est bon. Ouais, ouais, c'est bon pour nous. Papa 2, vous avez viré un petit peu tôt. Hein. Ah, excusez-nous, Papa 2 fois.
en arrivant en finale 08 dur, papa deux fois. Fox papa, papa, piste 08 dur, autorisé atterrissage, vent 140 degrés 82. Autorisé atterrissage 08 dur, Fox papa deux fois. Point écho, Romeo Québec. Entrée rappelée vent arrière 08, Fox Romeo Québec, un Robin en milieu de montée initiale, tour de piste. Rappel en vent arrière 08, Fox Romeo Québec sur reçu. Fox Charlie Tango, Robin, passez écho pour la vente arrière, priorisons vous. Copié Charlie Tango. Waouh, waouh, waouh. Dur pour un toucher. C'est un membre numéro 1, rappelé final 0 dur. Ah, il y en a un qui est content d'être arrivé sur Terre. Et le troisième, il fait ça. Ah, bah c'est pas trop tôt. Sur le Cessna, on peut que les contrats devant. Et on voit la Biroute. Biroute, Biroute. Et voilà. Ah, tu veux ça, je l'avais changé. Ah, c'était très très bien. Ah, c'est bon. Ouais, Fox Papa deux fois, là, 08 dur dégagé pour Sadi. Papa deux fois, roulez, quittez Sadi, bonne fin de journée. Allez, on roule, on quitte Sadi, bonne soirée à vous, Papa deux fois, au revoir. Mais il fait plus chaud ici que là-bas. Hein. Ouais. On voit que les Cunams, ça engendre une petite baisse de température. Ah si, ah oui, ah oui. Passage. Ah, il faisait bon là-bas. Ah, oh. Quand on est sorti du resto, oui, c'était... Ah, il faisait pas très chaud, hein. Pas très chaud. Ouais. Et là, on a retrouvé nos... Nos 37, quoi, ouais. Presque. Ouais. Il y a 29 dehors. Ouais, ouais, ça. Ah, un oui, peu moins ça, qu'hier, hein. Ça c'est clair. Moi, bon, j'espère que t'as filmé le... la terreau et tout. Ah bah, ouais, ouais, ouais. Je m'y suis employé. Alors, monsieur Gérard a été content, ça a été... Oh, impeccable, Daniel. Oh. Cela étant dit, j'avais vu que tu ne passais pas sur le damier, je me doutais que le... prendrait l'opportunité pour te le dire. Ah, j'ai... pourtant, il me semblait que j'étais dessus. Mais non, bon. Non, moi je l'ai non. vu. Ah je... bon. Oh, bah attends, ah bon. Je voulais rien te dire parce que... Mais t'as tourné... Avant, t'as tourné sur le village, mais... Ah bon. Ils sont chiants, alors des fois, tu ouais. vois. L'autre, il l'engueulait parce qu'il était trop loin. Ouais. Tout à l'heure, t'as entendu ? Ouais. Tout ça, enfin bref. Mais c'est du détail. Oui. Là, c'est Nathalie. Ouais, c'est... Et oui, un bimoteur, là aussi. Ouais, bah c'est Jean... Il fait le plein. Eh, 1500 balles de l'heure. 1500 ouais. Ah ouais. Ouais, c'est... Voilà, l'hélicoptère peut venir de là, les ouais, gars. Ouais, c'est ça, HP. HP, quoi. C'est celui-là, lui, c'est... il s'est arrêté, là. C'est celui-là que j'ai piloté avec, ouais. Avec Bichon. Tiens, dis donc, ouais. Daniel, on pourrait ouais. peut-être aller les voir, là, pour leur demander comment il va. Qui ça? Bah, Bichon. Ah oui, à HEP là. Ouais, bon, on va y aller tout à l'heure. Ouais, il y a l'homme avec la. Ouais, si, à droite là. On va rentrer notre avion. Ouais. Et puis... Bon, bref, tout vol extrêmement confortable. Ah bah ouais, voilà. C'est très le sympa. Le véhicule de piste, retour pour cette sortie. À demain, bon courage. Très bon atterrissage. Merci. Merci. Très bonne tenue machine. Merci. Tous les paramètres étaient là. Merci. Pilotage automatique parfait. Ouais. Y a rien à dire. Bon. Je te range les sacs, tout va je bien. Je te proroge. Tu me proroges ? Oui. Ouais, pour 5 ans, hein. Oui, si ah ouais, tu veux. Un minimum. Ouais. Voilà. Bon, et merci d'être venu me chercher, en tout cas. Ah bah, écoute. Ah, c'était pas gagné ce matin. Hein. Ouais. Allez, la check arrêt moteur. Allez, hop. On fait les choses bien, roulette donnée, front park. Radio, ça a été fait. Avionique power. Le phare sur off. La pompe sur off. Alternateur off. Hélice coupe épée. Régime moteur inférieur à 1000 tours. Ses coupures et 1200 tours. Ah, c'est bien. Et voilà. Et voilà. Alors, on ouvre ici. Voilà. Fin du voyage. On ouvre là. Voilà. Et on respire un petit peu. Pouah. Ah, il fait chaud, hein. Ah ouais, ça fait pas ça de mal de. Ouais. Quand ça s'arrête. Ça chauffe bien. Ça chauffe, ça chauffe.
Et voilà, 1h23 d'enregistrement à la à l'audio. Oui. Et regarde mon profil, notre nav d'aller, qu'on a fait, on a évité le Cunimb là, ici. Et puis regarde. D'accord. Voilà. Impec. La descente. Ouais. Bon bah il n'y a plus qu'à ranger le matériel maintenant. Ouais, puis l'avion et tout. On va prendre le compteur. Ouais. 68, 42, 30. Ce qui est chiant, c'est que Pascal il doit nettoyer l'avion maintenant. Ah ouais. Là, ça c'est bête. En attaque et tout. On n'a pas dû salir beaucoup. Alors là, on a le papa de foie qui est doté d'une capacité à bouger tout seul, assez étonnante. Les gars, ça secoue là. Ouais, on espère. Ça va pas du tout ça. Il y a personne derrière. J'avais jamais filmé un poussage comme ça. Moi. Regarde Régis qui pousse là, c'est pas merveilleux ça. Allez-y, allez-y. À droite ça passe, à l'arrière c'est bon, il y a encore 1m50. La dirige je vois pas, je vois juste le hop la masse. Voilà. Bon, c'est bon là. Merci. Bon, on va sortir peut-être. Bah oui, on va sortir, mon cher, mon cher. Voilà. Bon. Nickel. Bon vol. Hein. Très bien. Ça vous a plu ? Ah ouais, ouais. Excellent, excellent. Comme dirait l'autre, on en redemande encore. On peut marcher sur les volets, mais je sais pas, ça me paraît bizarre de marcher sur un volet. Il n'y a pas de problème ce matin. Non, il n'y a pas de problème. Ben ouais, ouais. Tu me diras quand tu vois la machine, hein, mais bon. Alors on est bien à l'arrière aussi ? Ah ouais, impeccable. Ah ouais, nickel. Bon, ben maintenant il n'y a plus qu'à ranger le matériel. Et puis voilà. T'as filmé beaucoup ? Bon, ben j'ai filmé tout en bicam, et de temps en temps j'ai fait des. T'as de quoi faire des plans. Ah oui. Ah bah oui, comme toujours. Après, faudra voir après ce que ça donne. J'ai essayé de changer les positions régulièrement de la caméra, et puis on verra bien quoi. Oh, c'est cool. On verra bien. Donc voilà, papa deux fois. Maintenant on le connaît un petit peu mieux. Ouais. Bel avion. Très bien. Yes. Avion.